C'est moi qui cherche un sens à tout aussi. Alors qu'il n'y en a peut-être pas. La musique est buggée. Oh mais j'ai plus de munitions. C'est la merde. Meurs. Un tonneau. Ah, les munitions. Non, non, mais non, ramasse-les. Ne mets pas dans le caca. Tire. Ah. Et c'est la guerre, hein, ce jeu. Oula. Oula. Que se passe-t-il? Oula. Du coup, je comparerai ce que je ressens dans le jeu en termes d'appréhension et tout ça, de ce que je ressentrais dans un Left 4 Dead. Et ça me fait plus peur, mais j'ai peur pour ma vie. Mais après, j'apprécie le fait que ça ait une ambiance horrifique et tout ça. Enfin, que c'est un style horrifique, machin, tout ça. Mais... Mais à part la witch qui me fait sursauter... Le psychopathe... Je ne m'en occupe même plus, faut l'avouer. Même si, comme dit, il y a quand même ce truc qui marche bien, des fois je me retourne, je tire sur tout le monde, en fait je tire sur le psychopathe. J'ai eu le chien. Je commence à désespérer. Oula, mur invisible. Drôle de mur invisible. Et décidément la musique est pas contente. Elle s'affole un peu, je ne sais pas pourquoi. Là j'ai déjà le bouquin, ça c'est le labyrinthe, mais comment je fais pour tourner autant en rond? Je ne comprends pas. Je suis les bordures de la map pourtant. Non. Merde, Ça dit, vous auriez imaginé un jour entendre un mouton faire ce bruit? Il va y avoir un truc au centre de la map, et vu que je reste sur les côtés, ben forcément... Ça marche pas très bien. On est de retour à la maison. Mais on a déjà trouvé ce qu'il y avait à la maison, je crois. C'est-à-dire pas grand-chose. Schmack Yoras. Qu'est-ce qu'elle dit, en fait, à ce moment-là? J'ai jamais compris cette phrase, en fait. Où est le bouquin? Où est le bouquin? Mouton, non, ne me ralentis pas! C'est trop la merde! Après, comme dans tout jeu, et comme l'avait bien compris... merde, Game Dave Tycoon... Rajouter des bidons rouges qui explosent dans son jeu, c'est toujours une bonne chose. Ça fait toujours triper. Et monte, monte, monte comme dans Skyrim là. Allez. Là, je suis face à un mur invisible constant. Bon, normal, c'est parce que là c'est la fin de la map. Ça c'est le teddy bear. Et du coup, il y a tellement de monde, je dirais que le teddy bear, on le remarque plus trop, j'avoue. Bon, tant mieux, hein, aussi, ça veut dire qu'il va nous arriver entre les pattes. On s'y attend pas. Excusez-moi, il y a un coup.
Oh putain, mais il y a un tel nombre de trucs derrière moi, j'ai pas envie de m'arrêter. Ah, ah, mais matez ça. Oh putain, merde. C'était pas le moment, toi. Avec tes chiens démoniaques. Mais je suis déjà allé au village. Il n'y avait pas de bouquin. Non, voilà. Au moins j'ai eu ça. Au moins j'ai eu ça. Je crois que j'ai eu pas mal de zombies. Dans ce pays de fou. Ah fuck. Non mais là je suis vraiment trop dans les bordures de la map. Je me mange trop de murs invisibles. Là-bas il y a un truc, non? Quoi ce truc? C'est la queue duc en fait, non? C'est la queue duc et je suis mongol. Non? Enfin le truc que j'appelle la queue duc, je sais toujours pas ce que c'est, mais... Bon, c'est des zombies aussi, hein, je veux dire. Dans beaucoup de jeux, les bruits de zombies, ça me fait rire. Il y a vraiment un problème avec la zik, là. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai redémarré deux fois le jeu ou une histoire comme ça. Ah non, non, non! Non, non, et c'est la queue-luque en plus! Non, mais putain, mais bande d'animaux démoniaques de mes fesses. Vous êtes trop rapide, ouah. Bon, faut bien qu'il y ait des choses qui nous rattrapent, hein, sinon ça n'irait pas non plus. Essaye de faire un peu la différence entre ce que je juge sur le jeu et ce que je dis juste, parce que c'est la merde. Qu'on me comprenne bien. Sérieusement. Je suis en repassé à côté de ce bouquin 15 fois sans l'avoir vu. Mais dégage toi, sale vache là. The Plant. Non d'accord, elle s'appelle The Plant maintenant. C'est plus la fleuriste. D'accord. Ah, je ne comprends qu'à moitié ce changement pour l'instant. C'est la merde. Trop de monde. Il manque plus que le cimetière. Oh putain. Oh putain, j'ai à peine eu le temps de voir à quoi elle ressemblait, mais... Ah, le teddy bear. Oh non, 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 non. Non, oh putain, non. Ah, l'Armageddon. Ça continue. On veut ma mort. Je vais continuer à suivre les bordures. Ça nous a plus ou moins porté chance. Il en revient pas que j'ai manqué le bouquin à côté de l'avion, je sais pas combien de fois. Où il y a plusieurs avions crashés. Quand même pas, non? Quoi, en fait, c'est le psaki au clown qu'on a pas vu depuis 15 ans. Ah! Putain, la fleuriste, la plante. Ah!
Et c'est à peu près le même modèle, là je l'ai mieux eu. Quelle époque. Ah non, 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 non. 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 En fait, je crois que la Floris me met dans des... dans des murs invisibles. Parce que je suis en bordure de map, encore une fois. Et rappelons-le, le jeu est en early access. Et je crois bien que c'est ça qui se passe, en fait. Oh putain! Non! Bon, ça a l'air d'être la fin de la map, ça! Ah non! Trop de choses! Vite, le cimetière, il est où? Le cimetière! Ah! Putain, les bruits derrière moi, quoi! Non, 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 non! Non, 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 non! Oh putain, mais c'est l'Armageddon, là! Et je retombe sur ce. Saloperie d'usine! Fonçons sur le milieu de la map. On va dire que c'est là. Allez, allez, allez. On peut le faire, on peut le faire. Putain, il y a un de ces nombres d'animaux démoniaques qui m'en veulent, là. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? La Floride, non, 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 non. Ça m'attriste un peu, mais je vais devoir quitter. Pas été assez rapide et ma webcam ne peut enregistrer qu'une heure. Ah mais stop. Non mais c'est de nouveau trop la merde là, il y a de nouveau trop d'animaux. Oula 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 oula. Mais je ne trouve pas, je ne trouve pas, et je suis tellement lent que les vies ont le temps de réapparaître quoi. Ah mais stop. Stop! C'est trop de monde! Ah! On survit! On survit! On est des survivors! Ah bah non! Bah non. Bah du coup, je suis désolé, mais je vais devoir arrêter ici. Que je n'ai plus le temps, je vous retrouve tout de suite, je vais couper la webcam vite fait. Ah, heureux les gens, du coup moi j'ai dû faire une petite pause entre les deux. Mais nous revoilà avec nos vies dans la continuité de la continuité de la folie. Ah, et c'est déjà cache la merde. Toujours à la recherche du dernier bouquin. De la mort qui tue. De la mort qui tue. De la mort qui tuait. Ah non. Ouais. Laissez-moi. Laissez-moi trouver le bouquin. Une nouvelle vie. Bon, tant qu'on y est, allons la chercher. Je ne veux pas
Abandonnez! Je veux trouver le dernier bouquin! Même si ça m'apprendra des milliers d'heures! Hop! Vite! Ah non, non, non! Je peux pas sauter au-dessus de ça! La merde! C'est la merde! C'est la merde, les musiques se mélangent! Le monde devient fou! Le bouquin des arbres, on l'a déjà trouvé normalement. Une mission de shotgun, j'ai presque cru que c'était un bouquin qui volait, les couilles. Mais oui! Oh. Attention. Non, Anya, des V-Bugs. Nous aussi. Et où est-ce que je vais, bordel de merde? Je sais pas, je tourne encore. What the hell? Excusez-moi, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette boule? Mon dieu! Quelle était cette boule démoniaque? Ah, Ferris! Pas la plante! Ah! Oh, ah, il m'a eu. Je n'ai pas été assez. C'est là, je l'ai aussi. Je sais pas, on va par là-bas. J'essaye de réfléchir par où je serais pas encore parti comme un imbécile chercher. Non, non, sortir. Un tonneau. Un nounours. Vite. Non, non. Prends. Oh putain, tout juste. Moi qui ai fait de la merde au niveau de mes touches. Tout juste, c'est tout juste. Aïe. Oui, il n'y a pas à y avoir un bouquin à ce truc là. Si. On va aller voir. Aïe, vite, le tonneau. Ninja. Faut être un ninja dans le jeu, j'ai compris. T'es un ninja? C'était le psychopathe, ça. Oh, serre. Des serres. Ça suffit. Non, oh mon dieu, une embuscade. Vite, vite. Non, prends-la. C'est la fleurie, ça, non? C'est peut-être une zombie femelle. Une zombie du type femelle. Et merde, je suis en train de faire le tour de ce bâtiment comme un... comme je sais pas quoi. Oh, bonjour, le psycho-killer. Tu veux bien me laisser? Ça m'irait très bien. Mon action d'héroïsme n'a servi à rien. Oh! Est-ce qu'il peut être le cimetière? C'est ça que je cherche, mais je ne sais pas si c'est... s'il est encore là à l'heure actuelle. À vous, la sorcière, tu me téléportes toi-même. Tu me fais croire que je vais dans une direction alors qu'en fait... des trolls. À vous le.
Où est-ce qu'il est, ce bouquin? Des tonneaux au loin, là, non? C'est faux d'espoir, ça. Putain! Dans les hautes herbes! Non! N'allez pas dans les hautes herbes, c'est trop la merde! Merde, j'aurais dû prendre la munition, en fait. Pas dans le champ. Ah. Essaye de voir quelque chose. Ça ne marche pas très bien. Meurs. Créature des enfers. Alors, putain, j'ai perdu autant que j'ai récupéré. Non, 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 non. Laisse-moi. Ah. Merde. Détendu. Je ne m'en sors pas. Tonneau ça ou... J'arrive à tirer dessus pour nature. Oh putain. Plus du tout si je fais dans le bon sens du coup. Ah merde. C'est la merde. C'est la merde. Il y a une vache bloquée dans le mur. Oh putain. Je voulais te libérer la vache. Pourquoi? Pourquoi tu m'agresses? Ah, mourir. Je ne vois plus rien, non! Non! Non. Je sors de ce champ démoniaque! Bon, bah on va se perdre de nouveau dans des contrées infernales, hein! C'est un jeu d'endurance, ce jeu, putain! Où est ce dernier bouquin? Sauf qu'il y a des gens, ils savent exactement où est le cimetière, quoi, et où est le dernier bouquin. Ils sont là. Mais Funky, t'es nul. Ouvre tes yeux. J'essaye. J'essaye, les gens, mais je ne trouve pas. Est-ce qu'il pourrait être... Ça va bien être visible de quelque part, quand même, non? J'ai eu le choix. Ça c'est quoi? Oh! Oh le cimetière! Oh le cimetière! Oh non! Le nounours! Oh non! Un cerf! Le cimetière! Le bouquin! Vite! Non! La sorcière! Elle veut m'en empêcher là! Shoot the witch! Fuck the shit, shit, no! Oh, non! Non! Je n'accepterai pas! Périr maintenant! Ah, le fleur! Mourez! Mourez tous! Ma merde! Pour la merde! Oh putain, mais c'est l'orgie là, c'est abusé. Laissez-moi en paix.
Il faut que je retrouve la witch maintenant, faut que j'attende qu'elle réapparaisse. Un peu la merde ça. J'ai pas réussi à lire, c'est tellement. Tellement la guerre ce. C'est tellement les enfers. Ah putain, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux! Ouais! Oh putain quoi! C'est chaud sa maman! Stop! Un peu de merci! Un peu de pitié! S'il vous plaît! Non! Et je rate en plus au moment où je pourrais m'en sortir! La sorcière! Machin. Non, là ils me font des combos. Ils font des combos pour essayer de m'avoir. Il y a la boule démoniaque qui est de retour. Putain, la boule démoniaque, c'est flippant. Oh! Oula, la plante, faut juste faire un peu des. Gauche-droite un peu subtil comme ça et ça va. Ah, la witch. Ah putain mais aïe 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 mais oh. Super vite, allez, on la perd vite aussi hein. Le problème, c'est que j'ai toute cette armada derrière moi. Quand il y a la 8, je vais pouvoir rien faire. Oh, merde, vite. On y croit. Allez, la 8, apparaît, s'il te plaît. J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Tu n'as pas l'air de me courir derrière. Donc, j'ai assez retourné de fois pour essayer de voir. J'ai essayé de tirer dans le vent. Ah! Aïe. Le truc, c'est que là, je cours un peu sans but, du coup. Ah si, survive. Au bon vouloir de la witch. Venez. Ah eh merde, on a raté plein. Elle est vraiment pas là la witch. Elle a pas l'air hein. Elle n'a pas l'air, moins qu'elle se déplace comme tous les autres. Mais ça serait bizarre hein. Ah non, non. Meurs. Non. Non. Ouh. Est-ce que j'étais mort en même temps? Oh, ce coup de jardin qu'elle s'est mangé dans la gueule. Ça fait plaisir. Developed by Burnout. Yeah. Bon, c'est un peu sacrifié. Pour le coup, ça fait pas encore tout à fait fin. J'ai tout réglé, quoi. Y'a pas, je suis devenu un zombie d'ailleurs, y a des bras qui sont un peu bugués avec moi. Ah, je peux tirer encore. Ouais. J'ai réussi après, je crois, une heure de lutte. Ouh. Bah c'est tendu, hein, c'est tendu, putain. Donc il y a un rythme à trouver. Et que le jeu devient quand même très 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 stressant. Du coup, tenir une heure, ça d'affilée, j'avoue que la pause, ça m'a fait du bien. Je le dis honnêtement, ça m'a fait du bien. Parce que... voilà, je désespérais à trouver ce cimetière. Je sais pas comment je l'ai trouvé d'ailleurs au final, malheureusement.
Bon, c'est ma faute aussi, dans un sens, hein, mais... Mais ouais, c'est... En tout cas, c'est... ça met de la pulsation au cœur, on va dire, là, si on veut essayer de survivre et qu'on se prend au truc, quoi. Après, oui, ça fait moins peur qu'avant. Il y a la Witch, bien sûr, qui fait des sursauts. Et là, du coup, c'est un autre type de peur. C'est des situations folles qui arrivent, comme le nounours dans les champs, là, les zombies dans les champs. Ça, il y a des petites situations, quand même, où... Wouhou, c'est... Là, tout d'un coup, c'est un peu plus effrayant, mais... Mais c'est pas exactement des jumpscares, on va dire. C'est un autre type de peur. C'est de la peur de... Non, il y en a partout, c'est trop la merde, c'est trop nombreux, ah, c'est la merde. Enfin, ça, c'est le bordel. Si la Witch veut donner l'impression que c'est les enfers, c'est ça. Ça, c'est ça, quoi. Faut lutter, quoi. Mais voilà. Je reconnais quand même que Genome Games essaye de faire ce qu'il peut pour trouver un équilibre au jeu. Ça prend de plus en plus forme. Là, il y a quand même beaucoup... Il y a plus de trucs... comme certains avaient reproché, j'ai vu, de trucs... je trouve pas mes mots. Injustes. Là, à part devoir gérer le fait qu'il faut replacer son arme quand on court, machin, il y a rien d'injuste, quoi. Les monstres nous enlèvent beaucoup, mais il y a beaucoup de plantes pour nous rendre de la vie, beaucoup de machins. C'est chaud d'essayer de faire des trucs avec les barils. J'ai quand même réussi un peu au final. Mais donc, voilà ce que j'en pense. Ce n'est certes plus exactement un jeu d'horreur, mais ça a toujours été un hybride un peu entre les deux. Enfin, depuis les pré-bêta en tout cas. Et voilà, je pense qu'il y a encore de quoi ajuster 2-3 trucs pour que le jeu devienne encore meilleur, quoi. Enfin, soit peut-être plus... Comme dit le sentiment de progression, ce serait pas mal. Parce que là, si, à part que c'était la merde ultime à la fin, disons que je m'étais aussi retrouvé dans la merde ultime en fait au début. Je sais pas, les zombies des fois ont l'air de nous lâcher. J'ai pas tout à fait compris comment ça marchait. Des fois, j'avais l'impression qu'ils étaient 40 derrière moi et je me retournais, finalement il y avait plus personne. Et des fois, c'était l'assaut. Ça avait l'air d'être lié à la Witch et aux autres mobs, comme dit. Mais voilà, moi je dis quand même qu'il y a des bonnes idées. N'oublions pas que c'est fait par un seul homme. Un Français en plus, qui plus est, de chez nous. Et moi je continuerai à soutenir Genome Games. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne ainsi que le jeu. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!